je souhaiterais vous renouveler mes excuses de ne pas être parmi vous qu'à travers Zoom, mais je viens de rentrer donc de Nantes et une soutenance de HDR, l'Université de Nantes. Donc, dans mon propos, je voudrais essentiellement faire quelques réflexions en tant qu'archéologue et historien technique de l'architecture navale médiévale. Et comme Philippe Rigaud l'a montré d'une manière plus générale, en essayant de dresser un tableau de un petit peu de la typologie des navires du Moyen-Âge, moi je m'arrêterai tout particulièrement au cas des navires listiers, hein, de ces navires destinés à transporter des chevaux, donc pendant la 7e et la 8e croisade, et ça la mer suivante. Un bref rappel historiographique. Ensuite, j'essayerai de faire quelques réflexions sur ces sources et sur les problématiques hein, de cette étude des navires écuries de Saint-Louis. Dans un troisième temps, je m'arrêterai sur, au fond, les données actuelles qu'implique le transport des chevaux. Et puis, je terminerai par quelques modèles de comparaison d'aménagement de navires écuries du 19e siècle. Donc, le sujet des navires de Saint-Louis, comme vous savez, depuis presque deux siècles, hein, l'objet de très nombreuses recherches menées principalement par des historiens faisant appel presque exclusivement à des sources manuscrites, pour ne pas dire exclusivement à des sources manuscrites, dont les fameux contrats de construction d'aménagement de Saint-Louis au chantier naval génois, avec quelques compléments à travers les statuts de Marseille et également les contrats vénitiens. Et c'est le grand historien de la marine, Augustin Charles, l'auteur du glossaire nautique, hein, publié en 1848 et qui a donné lieu à une révision publié sous la direction de Michel Bollat-Jourdain, puis de Christelle Bilingon aussi, et révision à laquelle Philippe a participé, qui a donc étudié le premier, les navires de Saint-Louis. En effet, dans le volume 2 de son archéologie navale, qui est vraiment une somme documentaire, publiée en 1840, Jal va consacrer l'intégralité de son mémoire 7, c'est-à-dire à peu près une centaine de pages, au, dit-il, pour reprendre le titre, vaisseau rond de Saint-Louis. Cette étude de Jal est illustrée par quelques schémas que je présenterai dans un instant, et repose essentiellement sur les archives génoises que Jal a édité dans le tome 1 des documents historiques inédits, publié en 4 tomes sous la direction de Jean Boulon Fijac, donc un peu auparavant. À cette documentation archivistique s'ajoute celle éditée en 1859 également par d'autres historiens italiens, Belgrano. Après Jal, nombreux aussi furent les historiens qui, s'appuyant sur les sources génoises, principalement, vont réexaminer, donner une nouvelle lecture, mais cette fois-ci en faisant appel de manière plus rigoureuse aux méthodes de la critique historique, en dépit qui manquait un peu à Jal, en dépit de son immense travail d'érudition. Comme l'a montré l'historien Michel Ballard, qui est un grand spécialiste hein, de l'histoire des croisades, dans ses dimensions maritimes, et je cite, les actes notariés, notamment les annales génoises, n'apportent pas toute la précision souhaitable, effectivement. Dans un article peu connu, qui a été publié en 1971 dans la revue des Actes du Musée de la Marine d'Étudiens, le commandant Richon, qui était un praticien de navigation, hein, puisqu'il était capitaine de Longue-Dôme, était aussi un très bon historien et connaissait très bien les sources médiévales, a parfaitement mis en évidence, au fond, les difficultés rencontrées par Jal dans son étude des documents génois. Et je cite ici un passage de l'article de Louis Richon. Il écrit, Jal tenta des reconstitutions
construction des vieux navires, et c'est ici au fond que son œuvre semble la moins solide. Reconstitution prudente pourtant, trop prudente peut-être, car elle aboutit, et il est un peu critique, à des monstres parfaitement incapables de naviguer. Certes, toutes les données des documents sont utilisées, et peu de choses sont avancées sans justification. Mais il manque là l'allure maritime, dont le défaut rend ses sèches épures semblables à un dessin d'étude. Il manque surtout les règles de construction et l'œil du maître de hache, éléments à peu près introuvables pour un chercheur d'archives. Et c'est là le praticien, disons, l'histoire maritime de la navigation qui porte un regard très critique sur le travail en cabinet des historiens. En tout cas, à la suite de Jeanne et du commandant Michon, nombreuses furent les études qui ont été consacrées au navire de Saint-Louis et en particulier au navire Pécurie. Et je voudrais surtout citer, dans le cas de la France, l'article que je trouve toujours essentiel du commandant Bastard Pérez, qui lui aussi était donc un praticien de la navigation dans la revue d'histoire économique et sociale en 1972. Et à cela s'ajoute la série d'articles de l'historien John Pryor, qui a publié dans Mariner's Mirror, donc cette revue d'histoire maritime britannique, une série d'articles en 1984 intitulée The Naval Architecture of Cruiser Transport Ships. À ces articles s'en ajoutent d'autres. Je pense à également l'historien Carl Lockwood, l'américain John Austin, et puis je n'oublie pas non plus les deux études publiées sous l'égide de l'Association des Côtes Saint-Louis, ceux du commandant Baudissin, qui est donc un praticien, mais aussi de la navigation, et du général Laurentin. Donc voici documents édité par Charles, et donc qui s'est lui centré sur la notion de nef glissière. Et effectivement, si on essaye de porter un regard un petit peu critique sur ces schémas très, très sommaires, effectivement, on a, pour reprendre le mot du commandant Michon, on a quand même affaire à des sortes un petit peu de monstres de la navigation. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même que voilà, Jeanne fait une réflexion sur la disposition donc sous la flottaison des écuries, avec une organisation qui n'est pas si incohérente que ça, comme on le verra lorsqu'on examinera à la fin de la présentation des modèles donc, du 19e siècle qui ont existé de navires écuries. Il faut vraiment être disposé transversalement, vous voyez, de part et d'autre, de deux coursives, et dans une coursive centrale, des chevaux dans des stades et disposés dans l'axe du bateau. Voilà donc une vue, là aussi, toujours tirée de Jeanne, et qui montre un petit peu, notamment au niveau de ce plan, la manière dont Jeanne avait imaginé l'organisation des écuries pour le transport des chevaux. Il reprend ça, par exemple, à propos de l'archéologie générale avec sa nef d'Ist, en détaillant en particulier la façon dont les stages sont disposés transversalement. Restitution, mais aussi hein, il renvoie à cette idée de monstre d'architecture navale médiévale, c'est la fameuse Rochefort d'après les contrats d'invasion donc de Venise de 1868. Alors, je l'ai dit, un certain nombre d'historiens ont repris à partir en s'appuyant, disons, sur une méthode d'analyse critique des documents, l'ensemble des sources publiées par Jeanne. C'est le cas, par exemple, de Carl Lofton, qui va quand même, partant de cette silhouette très schématique de Jeanne, va essayer de lui restituer
disons, une allure plus maritime. Puis, on arrive là à une autre relecture graphique, c'est celle qui est proposée par John Fryer, et effectivement, qui donne une silhouette, restitue une silhouette beaucoup plus cohérente, et on retrouve là un petit peu aussi le miroir des documents que Philippe Hugo avait présenté. Alors, à propos de ces sources écrites, il faut rappeler donc, dans la continuation de l'article du commandant Richon, que ce sont des documents de nature contractuelle, pour la plupart juridiques, de nature commerciale, qui vont fournir des informations importantes, en particulier sur les dimensions, avec la question qui se pose de savoir d'abord quelle est la valeur exacte de ces dimensions et si elles renvoient à des mesures de type commercial ou de type technique. Le problème va se poser en des termes quasiment similaires, s'agissant des marchés de construction, sauf lorsque l'on a affaire à des cas assez exceptionnels, mais malheureusement plus tardifs que ceux de la période qui nous concerne, disons de la seconde moitié du XIIIe siècle, et je pense en particulier à ces fameux comptes de construction de galères à Narbonne, de 1318 à 1320, qui ont été publiés par Jean-Pierre Sausson et qui sont d'une richesse sur le plan technique tout à fait exceptionnel, puisqu'on les documents nous montrent les maîtres charpentiers partant dans la forêt avec leur gabarit pour aller sélectionner certaines sur pied les arbres les plus compatibles avec les formes de corps. Ou encore, une fois arrivés sur le chantier, ces mêmes charpentiers utilisant de la peinture à l'ocre pour marquer les pièces de charpente, etc. Malheureusement, nous ne disposons pas de documents aussi précis pour la période de Saint-Louis. Et puis également, nous ne disposons pas pour le XIIIe siècle de ces fameux livres de recettes techniques, hein, pour reprendre ici la terminologie propre à l'historien technique Bertrand Gilles, qui, pour les plus anciens, et Philippe Rigaud nous a présenté quelques exemples précédemment, remonte pour les plus anciens à au tout début du XVe siècle. Et on a là, par exemple, avec ce livre de Sorci Trompeta de Bodom, donc qui venait du livre de Bodom, et ce manuscrit est conservé à Londres, et qui est un document effectivement extrêmement important, puisque vous avez ici à gauche la demi-section d'une grande nave, donc qui va précéder les caracs d'une grande nave de transport de plus de 400 tonnes de fret. Hélas, nous n'avons pas cette documentation pour le XIIIe siècle. Autre site de sources, bien entendu, et importante, ce sont les sources d'archéologie. Malheureusement, pour le XIIIe siècle, nous avons extrêmement peu de sites archéologiques sur l'ensemble du bassin méditerranéen. Et si l'on considère uniquement le bassin occidental de la Méditerranée, en fait, on a une seule épave vraiment importante, qui est l'épave de Coulipsis, qui est à Cadaqués, donc on est en pleine Catalogne espagnole. Et cette épave, Fabien Nieto Prieto, qui était directeur du centre d'archéologie subaquatique de Catalogne, et moi-même avons fouillé cette épave en 1990. C'est une épave qui était relativement mal conservée, puisqu'on avait simplement le fond de carène. En revanche, elle était porteuse, en dépit de son état de conservation relativement modeste, de très nombreuses éléments de techniques qui ont
qu'on a pu, par exemple, retrouver au niveau des montures, hein, donc, qui constituent l'assise de la transversale de la colle, toute une série de chiffres romains. Vous voyez, à gauche, on a 1, 2, 3, 4, et on voit comme ça, là, vous avez donc 10, 11, etc. Et cette numérotation des membrures est confrontée aux sources légèrement postérieures, en particulier au traité vénitien, permet d'avoir une vision très claire de la manière dont les charpentiers de marine du XIIIe siècle, donc contemporains de l'époque de Saint-Louis, concevaient en termes de pensée technique de leur navire, tant du point de vue de la forme, donc de la géométrie de la coque, que du point de vue de la structure. À partir de cette fouille, une restitution des formes a été réalisée avec un collègue, René Duret, qui était un grand spécialiste des galères, et donc on a pu restituer une coque d'un carrosseur, donc d'une vingtaine de mètres de long, avec une capacité de charge de l'ordre de 50 à 60 tonnes. Et à partir de cette restitution, le musée maritime de Barcelone a réalisé une maquette qui fournit une image relativement crédible de ce qu'était un voilier de transport, en l'occurrence là un voilier de cabotage, de l'époque de Saint-Louis. Et on retrouve alors à une échelle finalement plus importante cette même silhouette à partir des restitutions faites par Björn Landström, hein, donc ce dessinateur suédois qui avait une très grande connaissance et une érudition tout à fait remarquable concernant l'architecture navale. Et puis, il y a une deuxième étape qui est cette étape supposée des galères de Saint-Louis et que Augustin Jalles a eu l'occasion de voir à son retour de son voyage en Italie. Il publie cette découverte en 1852 dans le tome 2 de la France maritime, hein, qui était une revue à l'époque qui éditait à la fois des articles techniques et des articles historiques, et il nous donne des informations assez précises sur cette épave en disant qu'elle avait été découverte au début de l'année 1835 à Emma sur la propriété de Madame de Beausanté. Et la propriété s'appelait le Môle. Il s'agit d'une découverte fortuite sur la rive gauche du Vidour lors de travaux le long de la digue de la rive gauche. Cette épave, nous dit toujours Jalles, a été trouvée à 9 pieds, donc à environ 2,60 mètres de profondeur. Et elle était conservée donc sur 71 pieds de long, donc environ 21 mètres, avec sa plus grande largeur ici de l'ordre de 9 à 10 pieds, donc environ 3 mètres 20. Alors, Jalles ne donne que ce plan, mais il indique, sans malheureusement l'illustrer, qu'il a eu sur les bordées, c'est-à-dire sur les planches qui constituent le relèvement de la coque, des marques, et qu'également sur les membrures, il a vu des marques. Alors, on peut se demander, est-ce que c'est le même type de marque que celle retrouvée sur les vagues de Coulipsy ? On ne peut malheureusement pas le savoir, d'autant plus que parmi les rares éléments de mobilier que j'ai trouvé, il semble bien que les vagues, n'est pas une galère datant de l'époque de Saint-Louis, mais probablement une épave beaucoup plus tardive. Pour terminer mon propos, pour rester dans les limites du temps qui m'est accordé, un mot à propos de problématiques. C'est vrai que pour un archéologue et pour un historien des techniques, l'approche des navires de Saint-Louis, aménagé donc
concept méthodologique aux études fondamentales dont est un historien technique Bertrand Gilles. Puisqu'il s'agit d'essayer de comprendre quel est le processus de conception d'un tel type de navire et de quelle manière il était construit, de quelle manière étaient conçus les aménagements pour les chevaux et des aménagements et de quelle manière ces aménagements étaient proprement réalisés. Avec un gréement de côte, une coque doublée en cuivre,
un bateau à fond plat parce que on est à la différence de la Méditerranée en contexte d'estuaire, d'estrand, avec donc à marée basse l'échouage des bateaux et la possibilité donc d'embarquer plus facilement les chevaux en Méditerranée. Et là, l'embarquement se fait par le biais d'une serelle et ce type de navire de 30 mètres de long était conçu pour transporter en cale une centaine de chevaux avec de l'eau, du fourrage, et cela pour une campagne de 15 jours. Et puis on a également d'autres documents de compression, par exemple le plan de gare à écurie de Pestec, qui est un ingénieur constructeur de la marine. Donc là, nous sommes sous le Premier Empire et on a un plan très précis avec une description, permettant de voir de quelle manière les chevaux sont disposés transversalement dans des stalles maintenus par des bâtelons, avec donc là des dimensions précises, hein, une largeur de 76 cm et une longueur de 2,30 m. Et puis le plan permet de bien comprendre la distribution de ces stalles à l'intérieur de la cale du navire et du système d'aération justement extrêmement important et indispensable, et là aussi et également du système d'alimentation des chevaux avec à la fois un abreuvoir et bien entendu une mangeoire. Puis on a la possibilité de mieux visualiser en trois dimensions ce type de navire avec ce modèle de gabarit curie, donc de la viole de 1840,